Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul action. Voilà, on était faire un petit tour vu que c'est mercredi, hein, on était voir les promos. J'ai trouvé quelques petits trucs. Ouais, une nouveauté surtout. J'ai pas vu sur les aux autres hauls si c'était. S'il y avait déjà eu ou pas. Bon, on va commencer par ce qu'il n'y avait pas, hein, un petit panier comme ça. Celui-là, je sais plus. Alors, où est mon... C'est où ça dans le ticket de caisse? Le panier, je le trouve pas. Pourtant, il a dû me le compter. Un peu de papier, autocollant. Ben, je trouve pas. Ah si, 99 centimes. Le petit comme ça. Bah après, j'ai repris. J'ai retrouvé des dice que l'autre jour je les ai pas tous trouvés. Donc j'en ai retrouvé des nouveaux. Enfin, des nouveaux. Que j'avais pas eu l'autre jour. Donc ouais, j'ai pris celui avec les ronds, les nuages. Donc c'est bien ce que je disais la dernière fois, on avait déjà eu les nuages, parce que quand je les ai rangés l'autre jour, il y en a deux, un l'année dernière qui est exactement comme celui de cette année. On a une espèce de fermeture là, je sais pas quoi, ou timbre. Après j'ai pris donc avec les cœurs, petit feston là, et puis bah, pareil, un peu effet timbre. Et j'ai pris celui-ci. Aussi, voilà, donc cela c'est 1,34. Je remets le code barre pour celles qui le veulent. Je suis où? Hop, donc, voilà. Donc 1,34 les dice de bordure. Après, je vois des nouveaux chipboards. Il y a plusieurs modèles. Hein. J'ai pris que ces deux-là parce que. Il y en a un avec des sirènes, mais je crois que ça ressemble déjà à ce qu'on a eu. Et bah moi, j'ai pris surtout ceux-là, parce qu'ils étaient tout mignons, là. Avec le petit hérisson. Ah bah, celui-là, il s'est retrouvé avec un oiseau collé sur la tête. Mince, j'espère que ça va pas être trop collé. Ils sont déjà en train de partir. Le petit panda, là, avec sa cagoule. Le renard avec son écharpe. Je les ai trouvés très sympas, ceux-là. Alors c'est pareil, voilà, ils sont tous en train de se sauver. Je vais être obligée d'ouvrir et de remettre tout ça en place. Une petite tête de Bambi là. Donc j'ai trouvé cela choupinou, je les ai pris. Donc les chipboards, ils sont à combien? Carton, pochoir, non, c'est pas ça. 0,64. Autocollant aggloméré, ouais, c'est ça. Ouais, 0,64. Les chipboards comme ça, et j'ai pris celui-ci. Bon, il y a beaucoup de fleurs, mais j'ai pris ce que j'aimais beaucoup, la tête de reine. Voilà, donc, ils sont jolis avec du foil dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Voilà, ensuite bah, il y a les blocs de Noël, hein, vous les avez déjà tous vus sur d'autres chaînes. Ça arrive, j'ai repris ça aussi, le blanc craft noir là. Blanc 1,95. Ouais, 1,95, bloc de papier craft. Alors, je vais poser ça à côté. Allez, les blocs 30-30 de Noël. Moi j'en ai pris deux, si je mets dans le bon sens. J'ai pris celui-ci qui est très joli et celui-ci. Je vous les montre rapidement, mais bon, ça a déjà fait le tour, hein, parce que je suis certaine, c'est arrivé déjà depuis longtemps. Et ces deux-là sont superbes quand même. Bah, c'est une page unie, mais regarde, celui-là, il est magnifique. Je me dis, ça peut servir aussi en dehors de Noël. Sur certaines pages.
ai passé une. Non. Celui-là est superbe aussi. Hein. Et celle-là, j'adore. C'est dommage qu'on voit pas énormément le petit village là en bas. Il a fallu qu'il soit un peu plus foncé. Celui-là j'adore aussi. Voilà, on a fait le tour pour celui-ci. Donc ce qui est bien en plus, c'est que si on referme le calendrier de l'avant, on a les faces. Et après j'ai pris donc celui-ci qui est plus dans les tons bleu clair rose. Donc pareil, hein, qui est magnifique. Je sais pas si vous arrivez à... Si celui-là on voit quand même. Celle-ci est superbe aussi au niveau de la page. Celle-ci j'adore. Pareil, on a pour le calendrier d'avant. Et voilà pour le deuxième. Donc c'est vrai que là, pour certaines pages, il faut faire des grands projets parce que... Moi, je ne me vois pas couper la page, hein. Cette page-là, je ne me vois pas la couper, la diviser. Donc là, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des grands projets. Donc voilà pour les 30-30 de Noël. Il y en a d'autres, hein. Ça, vous avez dû les voir passer de toute façon. Après, j'ai pris les 15-30. Donc c'est pareil, il y a plusieurs modèles, j'ai pris que 4. Donc dans les tons bleus. Donc là, c'est avec du glitter. Et du foil, je crois. Ouais, c'est ça. Glitter et foil. Bon, ben ça. Certaines pages, j'aime un peu moins, mais bon. Celle-ci avec les flocons est sympa. Je sais plus si j'ai dit le prix des grands blocs, c'est 1,99 et les petits. 1,89 ceux-là. Ça, voilà, je trouve que ça fait pas tant que ça Noël, donc ça on peut l'utiliser en dehors. Moi j'aime moins avec le foil doré, mais bon. Donc pour le premier, donc là, on est plus dans les tons un peu plus traditionnels. Donc toujours paillettes et foil. Celle-ci, j'aime beaucoup. Mais certaines pages, j'aime moins avec le foil. Hein. Voilà. Bon, il a peut-être fallu que ce soit du foil argenté, je sais pas. Hop. Donc après on a rouge et vert, hein, vraiment traditionnel. Donc, les sucres d'orge. Il n'y a même pas de paillettes dessus. On sent que c'est un peu embossé, mais là il y a du foil. Petit pingouin.
Ils sont mignons, petite tête de Père Noël. Donc sur les bonnets, il y a du glitter. Et donc là, on a avec du foil. Voilà, pour celui-là. Après, on en a un autre ici. Plus dans les tons craft. Très joli aussi celui-là. Celui-là, ça ressemble à ce qu'on a déjà eu une année. Je crois que j'en ai déjà du papier comme ça. Je crois que c'est assez des pages qu'on a déjà eues. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi avec les rayures à paillettes. Rayures foil. Hop, les carrés. Et donc avec le foil, voilà. Donc ça, c'est pour les 15-30. Moi, j'ai pris que ceux-là. Et ensuite, nouveauté, j'ai trouvé rayon loisir créatif. Tadam, pour faire les animaux en relief, les têtes. Comment ils appellent ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors, dans le ticket de caisse. C'est combien ça? Je cherche hein, parce qu'il n'y avait pas que du loisir créatif, donc il y a plus de choses sur le ticket. Faire sa suspension murale tête d'animal 1,69. Alors, moi j'ai pris les deux mêmes. Il y avait plusieurs modèles, moi j'ai pris les deux mêmes parce que bah, pour les garçons, ils aiment bien les pandas. Il y avait lama, cactus, je crois. J'ai vu un cactus flamant rose. Licorne et panda, je crois que c'est les seuls que j'ai vus. Alors, on va regarder comment c'est dedans. Ah, pardon, alors, du coup, il y en a des deux côtés. J'arrive à l'ouvrir. Hop. Ok. Donc, on a les papiers. Donc, ils sont imprimés comme ça, qu'on doit découper et puis marquer tous les plis avec les numéros 1, 2, 3. Ouais, après, c'est un jeu de patience à découper et à coller tout ça. Hop. Donc on a combien de pages? Un paquet, hein. 13. Donc certaines sont toutes blanches derrière et d'autres sont noires parce que bah du coup il y a les parties noires de la du panda. Il y a quand même un sacré paquet à faire. Donc on a hop 21 parties. 21 parties à découper et à coller. Ça, je crois que c'est du double face. Je crois avoir vu ça. Parce que ça contient quoi? Bah ça, instruction et A5 sheet tape. Donc ça, ça doit être du sheet tape, ça doit être le double face, quoi. Ouais, c'est ça. Double face. Un double, ouais, il n'y a qu'une face qui colle là. Je sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Français, vous avez besoin de ciseaux, règles, autocollants fournis, éventuellement un couteau. Alors, ces chiffres permettent d'attacher les bonnes parties ensemble. Oui. Faut coter la partie collante 1 sur le papier avec l'autre 1. 1 chez 1, 2 chez 2, etc.
Coller les parties à l'aide de l'autocollant fourni. Placer les parties à coller du côté intérieur. Ouais. Alors ça va être un jeu de patience. Parce qu'il n'y a pas tant que ça après. Voilà, c'est les instructions. Donc ça, je pense qu'on avait compris hein, qu'il fallait plier, découper. Donc voilà. Bah écoutez, on essaiera de le faire, je ne sais pas quand. Puis je vous montrerai ça en vidéo ce que ça donne. Voilà, j'ai trouvé ça 1,69, je trouve sympa. J'avais déjà vu plein passer sur internet et j'avais jamais testé, donc à voir si c'est bien ou pas bien. Après, il faut les trombones, je pense, pour maintenir toutes les parties après. Je ne sais pas si je ferai avec le collant, parce que le collant action, hein, il ne tient pas toujours. Peut-être plutôt de la colle. On verra. Donc voilà pour le petit haul du jour. Bah, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.